La dernière scène meurtrière s'est déroulée dans le Logone Birni, une commune du département du Logone et Chari, dans l'extrême nord du Cameroun. Ici, les dégâts collatéraux sont encore visibles. Les pêcheurs de la communauté Mousgoum et les éleveurs arabes Choua se sont violemment affrontés le 14 août dernier, au moins 15 personnes ayant perdu la vie. Un chiffre qui se greffe à celui des affrontements du 10 août, où 12 personnes ont été tuées. Les blessés sont en soins intensifs à l'hôpital régional de Kousséri. Le conflit a également provoqué le déplacement d'environ 10 000 personnes. Ils ont tous trouvé refuge à Ndouma, une localité dans la République du Tchad. Le problème a eu lieu à Meshishka et entre Meshishka et Kessawa. Donc, on s'est levé un bon matin, on a eu les problèmes, les gens sont en train de brûler le cas et autres. Donc, avec tout ça, nous, on a accepté, c'est le destin, donc c'est Dieu qui a voulu comme ça. Donc, sinon, avec cette communauté-là, on est en communion. C'est-à-dire, d'après longtemps, on est ensemble. Donc, le problème est arrivé, maintenant, tout est détruit. Nos maisons, les richesses, tout. Même le bétail est parti comme ça. Et donc maintenant, on s'est réfugié au niveau du chef-lieu d'arrondissement. Selon les informations recueillies sur place, la digue installée par les Mousgoum pour aménager leur lieu de pêche où les bergers abreuvent leur bétail serait le nœud du problème. L'incident arrivé entre deux personnes a vite dégénéré en affrontement intercommunautaire. Mais pour le professeur Mazra, il s'agit juste de malentendus. Aujourd'hui, il y a eu un malentendu entre certains frères arabes Choua et des frères Mousgoum sur le terrain. Je dis bien, c'est un malentendu qui a malheureusement dégénéré en conflit social, qui a impliqué d'autres personnes. Et malheureusement, il y a eu des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Mahamat, quant à lui, attribue la responsabilité aux autorités administratives qui n'ont pas voulu accorder une attention sérieuse au problème qui naquit il y a quelques semaines. Il y a cette lenteur administrative qui a joué un grand rôle pour que ce genre de choses puissent se produire. Donc, les noms pris en considération de...